Deux situations sont envisageables. Si vous venez tout juste de signer le compromis de vente, vous avez un délai pour vous rétracter sans avoir de justification à fournir. Ce délai est de 10 jours à compter du lendemain de la remise en main propre ou de la réception d'un envoi en recommandé avec accusé réception du compromis accompagné de ses annexes. Pour vous rétracter, vous devez envoyer à votre tour un courrier en recommandé avec accusé réception dans cette période au professionnel qui vous a fait signer le compromis de vente. Deuxième situation, si votre délai de rétractation est arrivé à son terme, il reste possible d'annuler la transaction sous réserve que vous ayez suspendu l'exécution de votre engagement à l'accomplissement d'une condition telle que la réalisation de la donation à votre profit par votre tante. En effet, le vendeur et l'acquéreur peuvent prévoir que l'aboutissement d'un contrat va dépendre de la réalisation d'une condition particulière dite condition suspensive. Il s'agit d'un événement futur et incertain qui, s'il se réalise, rend le contrat parfait sans autre formalité. Au contraire, si la condition suspensive ne se réalise pas, le contrat ne sera donc pas formé et les parties libérées de leur engagement, et ce sans pénalité.